courir et sauter vers la médaille olympique. Tous les jours, Mohamed, réfugié syrien arrivé en Allemagne en 2015, s'entraîne au saut aux longueurs. Sélectionné dans l'équipe des réfugiés, il participera aux Jeux olympiques. Après avoir traversé la Méditerranée, il réalise son rêve de devenir un athlète de classe mondiale. Le sport pour moi, c'est toute ma vie, surtout ici en Allemagne. Je suis tout seul, la vie en Allemagne n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Mais quand je suis à l'entraînement, surtout quand je performe bien, cette joie, c'est un sentiment incroyable. C'est vraiment génial. 36 athlètes composeront l'équipe olympique des réfugiés. Ils représenteront plus de 100 millions de déplacés. Malgré son enthousiasme, Mohamed regrette de ne pas représenter son pays d'origine. L'Allemagne et l'équipe des réfugiés m'ont beaucoup soutenu pour en arriver là. Ce n'est pas un problème. Mais quand on me demande pour quel pays et pour qui je vais concourir, bien sûr, j'aimerais concourir pour la Syrie. Mohamed espère montrer qu'il n'est pas qu'un réfugié, mais un véritable athlète professionnel.